Saviez-vous que nous assistons à une étape importante dans l'histoire où des milliers de personnes optent pour la crémation plutôt que pour l'enterrement traditionnel face à la mort? Les experts prédisent que cette tendance va continuer à s'accentuer, atteignant jusqu'à 70% de la préférence pour la crémation par rapport à l'inhumation conventionnelle au cours des 10 prochaines années. Face à ce scénario, la question se pose : la crémation serait-elle quelque chose que les chrétiens devraient envisager ? Aujourd'hui, nous explorerons ce sujet en abordant 4 questions cruciales. La première question est : en quoi consiste exactement le processus de crémation ? La deuxième question cherche à clarifier ce que dit, le cas échéant, la Bible à propos de la pratique de la crémation. La troisième question, souvent soulevée, tourne autour de l'impact de la crémation sur le corps ressuscité et glorifié que Dieu promet de créer au moment de l'enlèvement. Enfin, la quatrième question s'adresse aux chrétiens qui envisagent la crémation, explorant les considérations pertinentes au moment de choisir entre la crémation et l'enterrement traditionnel. Alors, revenons à la première question. Qu'implique exactement la crémation? Cette procédure consiste à appliquer de la chaleur à des températures extrêmement élevées sur le cadavre dans une chambre de crémation, ramenant essentiellement le corps à ses éléments fondamentaux. Une grande partie du corps, y compris les tissus mous, est vaporisée, ne laissant que les os qui sont ensuite réduits en poudre sèche ou en particules appelées cendres. À la lumière de la Bible qui déclare que « de la poussière vous êtes venus et à la poussière vous retournerez », la conception derrière la crémation est l'idée que Dieu a utilisé la terre ou la poussière pour créer nos corps. En optant pour la crémation, vous remettez en quelque sorte le corps à son état originel, tel que Dieu l'a formé pour l'humanité. Le voyage du corps à travers les flammes jusqu'à CE, qu'il se transforme en cendres, est minutieusement étudié, non seulement sous ses aspects physiques, mais aussi dans les impacts environnementaux et sociaux de ce choix. Selon les données de l'Association des crématoriums, il y a une augmentation constante qui reflète l'évolution des préférences sociales, des contraintes économiques et des considérations écologiques. On estime que plus de 50% des Américains choisissent désormais la crémation, une statistique qui est susceptible de croître dans les décennies à venir. Scientifiquement, la crémation se présente comme une option plus durable par rapport à l'inhumation traditionnelle, car cette dernière consomme de vastes superficies de terrain et implique l'utilisation de produits chimiques pour l'embaumement, de cercueils et de pierres tombales en bois, contribuant ainsi à un impact environnemental important. En revanche, la crémation, bien qu'elle nécessite de l'énergie et entraîne des émissions de carbone, consomme moins d'espace et de ressources, ce qui correspond à la préférence croissante pour des pratiques écologiquement durables. Outre les considérations environnementales, l'option de la crémation reflète une transformation des normes culturelles et religieuses. Alors que certaines traditions y voient une forme de purification et de libération, d'autres recherchent des conseils sur cette pratique dans des textes sacrés comme la Bible. Passons maintenant à la deuxième question. Que dit la Bible, le cas échéant, à propos de la crémation? Il est intéressant de noter que dans plus de 200 références de l'Ancien Testament traitant de la mort, elle mentionne tout l'enterrement traditionnel comme méthode standard pour disposer des corps. Cependant, à aucun moment, la Bible ne déclare que c'est la seule forme d'élimination ou qu'elle est obligatoire. Il existe plusieurs passages bibliques qui mentionnent l'incinération des corps, mais sans référence directe à la pratique de la crémation. Regardons quelques exemples. Vous souvenez-vous de la défaite de Saül et de ses fils face aux Philistins au combat? Lorsque certains Israélites trouvèrent les corps, le récit dit « Tous ces puissants guerriers se rendirent de nuit à Beth-Shéan et prirent les corps de Saül et de ses fils du mur. Ils les amenèrent à Jabesh où ils brûlèrent les corps. Puis il prit leurs os, les enterra sous le tamaris de Jabesh et jeûna 7 jours. »
Ici, il est plus probable que les corps étaient dans un état tellement mutilé ou endommagé qu'un enterrement traditionnel approprié ou un transport des corps vers un lieu de sépulture n'était pas pratique. Ils ont décidé d'incinérer les corps. Un autre cas de corps brûlé, bien que non directement associé à la crémation, est rapporté dans 2 Rois, chapitre 21, où il est mentionné. Manassé sacrifia également son propre fils dans le feu. Il pratiqua la sorcellerie et la divination. Enfin, dans 2 Rois, chapitre 23, versets 6 à 20, il est rapporté. Josias se retourna et observa plusieurs tombeaux sur le flanc de la colline. Il ordonna d'enlever les ossements et les brûla sur l'autel de Bethel pour les profaner. Il a exécuté les prêtres des sanctuaires païens sur leurs propres autels et a brûlé des ossements humains sur les autels pour les profaner. Encore une fois, il s'agit de mention de corps brûlés, mais sans allusion ou déclaration directe au processus ou au concept de crémation en tant que pratique mortuaire. Dans le récit des événements décrits dans 2 Rois, chapitre 23, versets 6 et 20, les actions du roi Josias reflètent une période d'intenses réformes religieuses dans le royaume de Juda. Cet épisode de l'histoire biblique, plein de symbolisme et de sens, met en évidence la complexité des pratiques funéraires et leur rôle dans le contexte culturel et spirituel de l'époque. L'action de Josias, en brûlant des ossements humains sur les autels de Bethel, n'était pas seulement une manifestation de désapprobation religieuse, mais une tentative d'éradiquer toute trace de pratique considérée comme abominable. Bien qu'il ne soit pas directement associé à la crémation en tant que choix funéraire ou rituel en soi, cet acte met en évidence la manipulation de la dépouille mortelle dans des contextes religieux et le puissant symbolisme du feu dans la purification et la profanation. Scientifiquement, les processus impliqués dans la crémation ont été étudiés tant en termes d'efficacité que d'impact environnemental. Les chercheurs en archéologie et en anthropologie explorent comment diverses cultures à travers l'histoire ont traité leurs morts et quelles méthodes de crémation ont été utilisées. Ces études révèlent une diversité de pratiques, depuis les simples bûchers à ciel ouvert jusqu'aux installations de crémation modernes minimisant les émissions de gaz nocifs. D'un point de vue biblique, la manipulation des ossements et des restes comporte de profondes implications spirituelles. Dans Nombre chapitre 19, verset 16 par exemple, il est mentionné que quiconque touche quelqu'un mort et enterré sera impur pendant 7 jours, soulignant la vision de la mort comme quelque chose qui impose une séparation rituelle nécessitant une purification. Cependant, la crémation comme méthode de traitement des morts n'est pas explicitement mentionnée dans la Bible, ce qui laisse place à l'interprétation et à l'adaptation dans le cadre des principes chrétiens. Il est intéressant de noter que la science moderne apporte une nouvelle perspective sur la crémation, notamment dans le contexte de la préservation de l'environnement. Des études comparatives sur l'impact environnemental entre les enterrements conventionnels et la crémation mettent en évidence comment cette dernière peut être considérée comme une option plus durable, réduisant l'empreinte écologique associée à l'utilisation des terres pour les cimetières et au dégagement de méthane lors de la décomposition des corps, un gaz puissant. Effet de serre. Ainsi, le récit autour de la crémation, mêlé de réflexions bibliques et de découvertes scientifiques, va au-delà de la simple disposition de la dépouille mortelle. Elle aborde des questions fondamentales sur la pureté, la mémoire, l'identité et la continuité spirituelle à l'époque contemporaine. Le choix entre l'enterrement et la crémation est influencé par plusieurs facteurs, tels que les croyances religieuses, les considérations environnementales et les préférences personnelles. De cette manière, le dialogue entre la foi et la science continue de façonner les pratiques funéraires, en équilibrant le respect de la tradition et l'adaptation aux exigences du monde moderne. Passons maintenant à la troisième question, que beaucoup de gens posent souvent. Elle concerne la manière dont la crémation affecte le corps ressuscité, le corps que nous recevrons de Dieu lors de l'enlèvement, et quel sera le résultat de tout cela.
Explorons ce que la Bible nous dit à propos de nos corps glorifiés dans le chapitre 15 des Corinthiens. Le texte déclare que la résurrection des morts suivra un schéma similaire. Nos corps terrestres sont plantés dans le sol à notre mort, mais seront ressuscités pour vivre éternellement. Nous enterrons nos corps dans l'humiliation, mais ils ressusciteront dans la gloire. Ils sont ensevelis dans la faiblesse, mais ils seront relevés en force. Au départ, ce sont des corps humains naturels, mais à la résurrection, ils deviennent des corps spirituels. Ainsi, lorsque les gens se demandent comment Dieu réunira leur corps, surtout s'ils ont choisi la crémation, il est important de se rappeler que Dieu a initialement utilisé la terre et la poussière pour créer l'humanité. Si Dieu a utilisé la terre et la poussière dans la création des êtres humains, ne pensez-vous pas qu'il est assez puissant pour reconstruire nos corps à partir de poussière, de cendres ou de toute autre forme? C'est la première considération. La seconde est que, lorsqu'il réfléchit aux diverses formes de destruction des corps, comme être dévoré par un lion, noyé par un requin, tué dans une explosion de guerre ou même brûlé, Dieu n'est limité par aucune de ces circonstances dans la capacité de recréer un corps éternel pour nous. Cependant, le point crucial à comprendre est qu'avec le temps, quelle que soit la manière dont un corps est éliminé, nous serons tous, à un moment donné, inévitablement réduits en cendres. D'un point de vue scientifique, la décomposition des tissus mous peut prendre beaucoup de temps. Cela peut prendre des mois, voire des années, pour que le corps entier se désintègre complètement jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un squelette, un processus connu sous le nom de squelettisation. Et puis, en fonction du sol et d'autres facteurs, cela pourrait prendre des décennies, voire des siècles, pour que le squelette se désintègre complètement en poussière. La réalité est qu'avec le temps, nous tous, à moins de faire l'expérience de la mort et du retour du Seigneur, finirons de toute façon réduits en poussière. Dieu n'est pas limité par la façon dont nos corps sont disposés. Il est capable de recréer un corps glorifié. Les études scientifiques sur la décomposition révèlent que le processus est influencé par plusieurs facteurs, tels que la température, l'humidité et la présence de micro-organismes. Ces résultats sont étayés par des recherches en taphonomie, la science qui étudie les processus de décomposition, de fossilisation et de préservation des organismes après la mort. Parallèlement, les Écritures offrent une perspective réconfortante sur le caractère éphémère de la vie physique et la promesse de la vie éternelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 42 à 44, Paul parle de la résurrection des morts, soulignant la croyance chrétienne selon laquelle, malgré la détérioration du corps physique et son retour à la poussière, il existe une forme d'existence qui transcende la matérialité, une existence spirituelle éternelle promise à tous les croyants. Passons maintenant à la quatrième et dernière question abordée dans cette vidéo. Comment puis-je décider si la crémation est le bon choix pour moi? Si vous envisagez cette option, ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est, il est essentiel de se poser quelques questions cruciales. Tout d'abord, quel genre de cérémonie ou d'enterrement souhaitez-vous que les gens organisent en votre mémoire? Or, en optant pour une urne, la mobilité entre les lieux est possible. Si vous choisissez d'être enterré dans une tombe dans un cimetière avec une pierre tombale, cela peut devenir un lieu de retour pour vos proches. Même si l'on sait que le corps est là et que l'esprit est parti, pour certains, l'idée de pouvoir retourner dans la tombe procure un réconfort, leur permettant de se remémorer de précieux souvenirs. Cette possibilité est perdue lors du choix de la crémation. Cependant, lorsqu'on envisage l'option d'une urne, la question se pose de savoir si, au moment de la mort, les gens peuvent jeter un dernier regard, dire au revoir et célébrer la vie vécue et l'impact laissé derrière eux. Un autre aspect à considérer est le côté pratique pour les membres de la famille qui peuvent voyager de différentes parties du monde. En optant pour un enterrement traditionnel, toute personne souhaitant participer au service d'adieu doit prendre des décisions rapides et adapter son horaire de voyage, car le corps dispose d'un temps limité avant d'être enterré.
La Bible ne fait aucune mention directe de la crémation comme méthode de disposition du corps après la mort, ce qui laisse place à une interprétation basée sur les principes chrétiens généraux et les traditions ecclésiastiques. L'absence de référence explicite amène certains à affirmer que, parce qu'ils considèrent le corps comme le temple du Saint-Esprit, il devrait être traité avec honneur et respect lors d'un enterrement traditionnel. D'un autre côté, il y a ceux qui soutiennent que puisque le corps physique est de toute façon destiné à retourner à la poussière, car vous êtes poussière et vous retournerez à la poussière, Genèse chapitre 3, verset 19, la crémation est acceptable aussi longtemps que réalisée avec respect. Dans le passé, certaines confessions chrétiennes ont restreint la crémation en raison de préoccupations concernant la résurrection des morts, craignant que cela n'interfère avec ce processus. Cependant, au fil du temps, beaucoup d'entre eux ont révisé leur position, reconnaissant que Dieu peut ressusciter le corps, quelle que soit sa condition physique après la mort. L'Église catholique, par exemple, a officiellement autorisé la crémation en 1963, à condition qu'elle ne contredise pas la foi chrétienne en la résurrection. Malgré cela, l'Église préfère toujours l'enterrement des corps ou des cendres plutôt que de disperser ou de stocker les cendres de manière non sacrée. Par conséquent, la décision concernant la crémation est généralement laissée au discernement individuel et aux convictions personnelles dans le contexte de la foi chrétienne. Beaucoup considèrent la crémation comme acceptable à condition qu'elle soit effectuée avec respect et qu'elle ne contredise pas la doctrine de la résurrection. La cohérence avec la Bible en matière de pratiques funéraires doit être analysée à travers les principes généraux et les croyances fondamentales du christianisme, plutôt qu'à travers les instructions spécifiques de Jésus-Christ sur le sujet. Jésus n'a pas explicitement abordé la crémation ou l'enterrement au cours de son ministère terrestre, se concentrant davantage sur des thèmes tels que le salut, le royaume de Dieu, la foi, l'amour et la repentance. Dans le contexte biblique et les croyances chrétiennes, la dignité dans le traitement du corps après la mort et l'espoir en la résurrection sont des éléments cruciaux. Si le choix de la crémation est fait dans le respect du défunt et ne contredit pas la croyance en la résurrection, il peut être considéré comme une option viable. L'accent doit rester mis sur la signification spirituelle de la mort et de la résurrection, et pas nécessairement sur la manière de disposer du corps. Il est crucial de prendre en compte les traditions et les enseignements spécifiques de la confession ou de la communauté religieuse, car différents groupes peuvent avoir des interprétations différentes sur ces questions. Bref, la cohérence avec la Bible en matière de crémation ou d'enterrement ne dépend pas d'une instruction directe de Jésus, mais plutôt d'une approche respectueuse de ces pratiques, aligné sur les principes chrétiens de dignité, de respect du corps et de croyance en la résurrection. J'espère que les réponses à ces quatre questions apporteront de la clarté, en particulier à ceux qui envisagent de planifier leur sort après la mort. Dieu les bénisse. N'oubliez pas de partager, d'aimer et de commenter ci-dessous. À la prochaine vidéo.